Mais tu es musulman, je peux t'aider. Parce que cette histoire de sorcellerie là, ça n'a ni appel de religion, ni ethnie, ni propos. Blanc est en train de courir derrière moi pour faire des délivrances. Les blancs. Bien sûr, oui. C'est quel blanc qui est dans quel pays là? Il tremblait, il voulait, il courait. Il Maurice, non? Si c'est il Maurice. C'est pas Mayan ou bien sûr. Non, c'est il Maurice. C'est il Maurice. C'est blanc. Il tremble, il veut délivrer. Il y a un Suisse même dans ce temps-ci, il veut délivrer. Donc ça crée une sorcellerie là. C'est pas fait de pauvres, de poulets. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous fortifie. Amen. On va bien régler vos problèmes. Amen. Tout à l'heure, je m'assois et je cause avec vous. Merci. Je vous écoute parce que c'est terrible, c'est thérapeutique. Souvent, il faut laisser les gens parler. Je leur laisse le temps de s'exprimer. Et puis, il y a une orientation. Amen. Amen. Et puis, on aura l'occasion. Aujourd'hui, on aura l'occasion de faire les bains. On fera les bains aujourd'hui. Oh, on fera le 1, le 2. On fera les deux bains aujourd'hui. Et puis, maintenant, la consécration sera demain parce qu'elle est importante. Elle se fera demain. Mais avant que la consécration, il y aura encore une autre action qu'on va mener par la grâce de Dieu. Amen. J'aurai l'occasion, il y a des choses que je vais faire dans le secret. Hier, laver vos pieds. Amen. Parlant, Amen. Je suis à laver les pieds de ses disciples. Amen. Parce que je vais leur confier une grande mission. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Donc moi, je suis dans les prophétiques. Pratique, oui. Je ne suis pas venu imposer les mains, je suis venu vous délivrer. Amen. Je ne suis pas dans vos histoires, non, il va prier. Moi, je suis dans le prophétique. Voilà comment nettoyer ta vie. Amen. Amen. Nettoyer ta vie de génie et puis que tu sois béni. Tu rentres en Europe maintenant, les gens ont commencé à dire l'homme de ta vie va commencer à te chercher. Amen. Ton corps ne doit pas être pour tout le monde. Amen. 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 C'est une fois que quelqu'un te touche, c'est fini. Mm. Il prend quelque chose en toi. C'est clair. Vous savez pas. Faites attention. Si ton médecin sort aussi, il va prendre quelque chose en toi. Il s'arrête. Bien sûr. Si tu es là, tu regardes. Ah, je suis prêt. Ok, toi, je vois. Or, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mm-hmm. Il y a le bonheur, oui. Le contact avec vous, il prend le bonheur. Il faut voir avec ça. Mm-hmm. C'est ça qui fait tentation. Quand quelqu'un n'est pas converti, vous poursuivez là. Évitez-le. Mm-hmm. Tu as vu quoi, moi? Tu as vu, tu brilles. Ah, c'est ce qui lui prend lumière, vaincu. Mm-hmm. Tu brilles, ah, je brille, ok, merci. Mm-hmm. Alors, c'est ce qu'il cherche. Mm-hmm. Amen. Amen. Vous savez, le temps est un autre nom de Dieu. Le temps que vous voyez, c'est un autre nom de Dieu. Le problème, c'est que les sorciers ont fait de telles sortes qu'on n'arrive pas à être dans un foyer. Les sorciers ont fait de telles que tout est fermé autour de nous. Mais en même temps, le temps est un autre nom de Dieu. Amen. C'est le temps de Jésus. Amen. Le Seigneur a décidé de vous délivrer. Amen. C'est vraiment intéressant parce qu'ici, on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Amen. Ton argent va rester. Je vais vous enseigner comment l'argent reste. Amen. Il va rester dans votre vie. Il faut que l'argent reste. Vraiment. Là, on voyait, ça a quitté dans la main des gens. Mmh. Il est là, il n'est pas pour rester. Hein. Oui, l'agence a quelque chose à suivre. Il y a un esprit. C'est ce qu'il a dit, l'esprit d'argent qu'on appelle maman. C'est qu'il ne savait pas. Il y a les esprits, même l'esprit de cœur. Il y a des choses. C'est ça qu'il dit aux gens, quand vous allez atteindre le niveau de la spiritualité, vous allez maîtriser le monde. Amen. Amen. Or, si vous ne maîtrisez pas ça, l'argent vous maîtrise, qui dans vos mains? Quand vous arrivez quand à 1000 dirhams, c'est l'argent, ça fait combien? 100 euros, non? Et 10 000, ça fait quoi? 600 euros? 10 euros. Ça fait 1000 euros. Quand ça va arriver à 1000, il y a des gens qui peuvent atteindre 100 000. Il y a des gens qui ne vont jamais avoir des millions. Dès qu'ils ont 1 million, ça quitte. Oui, parce que l'argent, ils ne sont pas consacrés à ça. Or, je vous disais tout à l'heure que la royauté est liée à la richesse. Oui, la richesse est liée à la royauté. Or, la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Or, la richesse, vous voyez, ça c'est le pouvoir. C'est vrai qu'on va vous découvrir la sorcellerie. Si vous voulez avoir un nom parlé, vous irez la langue. Mm-hmm. Bien sûr. Avenir, il y a le Saint-Esprit, vous pouvez cracher à prier pour moi. C'est ça, il y a un mange. C'est quand tu as commencé à construire une meuble, on commence à te respecter. Exactement. Il faut qu'on te respecte. C'est ce que la Bible dit, il fera de nous la tête, non la queue. Mm-hmm. Oui. Dieu va te bénir, ça c'est important. Il faut que vous ayez le pouvoir. Dès que vous avez le pouvoir d'achat, c'est fini. Les gens vont commencer à vous respecter. Or, c'est ça. Le diable détruit. La première action, quand les sorciers entrent dans votre vie, pour tout votre argent. Vous avez l'impression que vous mettez dans votre argent, vous avez conneries. Ça ne profite pas. Je vous donne des conseils. Faites attention à ce que vous faites.
Si vous avez une amitié, une fréquentation, ne parlez pas de votre vie comme ça aux gens. Je vous donne des conseils. Il est vraiment important, la vie, ça doit être un secret. Tu ne dois pas peur. Or, si tu n'as pas peur, c'est facile de te détruire. Donc, ne permettez pas aux gens que vous ne maîtrisez pas d'entrer dans votre vie. Si vous êtes en train de causer de votre vie, quand vous parlez, jusqu'à la personne va vouloir poser des questions, il y a des questions que vous ne pouvez pas répondre. Parce que ce n'est pas utile pour la personne. Oui, mon nom, ok, mon nom, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, non, monsieur, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. La personne te demande, tu es marié ou pas? À quoi, si tu es marié ou pas, l'arrange. C'est un pasteur, il va prier pour toi, il va te faire délivrance. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il lui cherche? Or, quand tu n'étais pas marié, d'abord, lui, son esprit va changer, s'il a envie de t'épouser. Or, ce n'est pas lui qui a appelé à te marier, vous comprenez? Donc, même si c'est un mystique, il va commencer à faire des pratiques mystiques. Il y a des gens qui ont des pouvoirs, ils vont détourner ton esprit. Ils peuvent détourner ton esprit. Donc, il y a des gens, quand vous ne maîtrisez pas une affaire, une personne, il ne faut pas qu'elle rentre. Ne permettez pas aux gens d'entrer dans votre vie. Amen. Amen. Si vous vivez avec une personne, il faut être sûr que cette personne-là est avec vous. Il faut être sûr. Parce que si vous n'êtes pas sûr que la personne est avec vous, c'est elle qui sera votre sorcier de nous. Parce qu'elle aura tout sur vous comme information. Exactement. Que c'est elle qui va vous détruire. C'est pour ça que quand j'apprends que quelqu'un est avec moi et qu'il partage moi ma vie à d'autres personnes, j'échappe la personne de ma vie. Vous savez? C'est clair. La vie, c'est un choix. Ne jouez pas avec votre vie. Parce qu'une fraction de seconde peut perdre la vie. C'est pour ça qu'écoutez-moi très bien. Vous vivez en Europe, la plupart. Les Blancs, vous voyez là, quand ils ont fini de combattre la sorcellerie, ils sont restés dans leur coin. Tu as un Blanc dans les murs, il ne te dit pas bonjour. Il regarde dans le livre dans le journal. Quand tu veux le saluer, il te regarde. Oh, Zadi, il dit bonjour. Bonjour d'Abidjan, on va aller à Paris. Les Blancs, ça ne l'intéresse pas. Quand ils font ça, ils vont te dire, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, au départ, s'ils étaient ouverts, qu'ils avaient plus sorcellerie, qu'ils ont fini la chasse aux sorcières, c'est pour ça qu'ils ont un caractère. Moi, je les comprends. Oh, je voulais parler de mon voisin. Je viens, tu viens chercher ce qu'il fait. Il dit travail, il n'était pas satisfait. Travail, c'est travail. Mais il fait quoi? Tu as me fait quoi? Tu as m'embauché quelque part. Je vais chercher un travail. J'ai travaillé, il travail, c'est travail. Travail de Dieu. Oh, il n'est pas encore ouvert, ça recouvre. Il travaille à Iré. Mais il veut tout savoir. Maintenant, il cherche, il fait des recherches. 6 mois. Ah, comment c'est forcé? Et puis, il vient pour dire. Oh, je sais ce que tu es, tu es prophète. Jérémie m'a dit de mon cœur, mais où est la sorcellerie des gens? Tu veux tout, oh, c'est ça. Or, une personne pour t'avoir, elle va chercher à avoir une information sur ta vie. Vous savez, faites très attention. Même si vous voulez épouser un homme de votre vie, il faut être sûr que cette personne a la crainte de Dieu. Il faut être sûr que cette personne pourra vous protéger. Il faut être sûr que cette personne pourra vous aider dans la croissance spirituel. Si cette personne n'a pas toutes ses qualités, évitez cette personne. Même si elle vous donne de l'argent, elle vous donne tout. Mais qu'elle n'a pas la crainte de Dieu, elle vous lâchera un jour. Oui. Ça vient d'en. Elle vous lâchera un jour. Or, Dieu n'envoyera pas une personne qui va te détruire. Dieu envoie le bonheur. Donc il y a tous ces critères. C'est comme une femme aussi. Si une femme n'a pas la crainte de Dieu, elle n'a pas une vie de prière. Elle, c'est elle qui cherche à savoir, c'est elle qui cherche à parler. Fais des choses. Stop. Parce que lorsqu'on se met ensemble dans un foyer, il y a des secrets qui doivent rester. Bien sûr. C'est pour ça que quand il y a des deux personnes qui se mettent ensemble, qu'il n'y a pas là, qu'une personne sort pour partager des choses dehors, pas un homme de Dieu dessus, parce qu'elle a des doutes, on peut partager un homme de Dieu. Quand on partage avec deux autres personnes, c'est cette personne qui est le nom de Dieu le foyer. Oui. Tout ce qu'on veut dire, cet esprit-là, son but, c'est ce que j'entends dire après. Bien sûr. Elle va donner un mot pour un concept pour dire non, il faut laisser le monsieur. Ah, tu ne sais pas, peut-être que le mari, la dame convoite le bon mari. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle a un esprit de la sorcellerie. Donc, il y a des petits conseils qu'on se soit, il y aura l'occasion de vous expliquer beaucoup de choses. Mais beaucoup d'intentions. Amen. Amen. Et le discernement surtout. Amen. La sorcellerie fait qu'aujourd'hui, moi, notre assaut, je me méfie beaucoup.
Aujourd'hui là, même les bébés sont sorciers. Fœtus va manger l'homme. Vous n'avez pas vu ça? Un bébé allait manger sa grand-mère. Oui. L'enfant, il va manger. Et la vidéo, on a la vidéo. Elle a prié, elle a mis l'enfant au monde. Eh bien, ma tante dit, sort de mon lit, j'ai dit, c'est quoi? Lui là. Et puis j'étais obligé de dire, Seigneur, aide-moi. J'ai une haine terrible entre Dieu et c'est-à-dire envers les choses de la société. Frère, quand je suis dans ta vie, c'est grave. Ils te font perdre la dignité. Ils te torturent. Grave. Tu es là, tu es le sommet, mais tu n'as pas. Et il t'envoie maintenant le suicide, comme cadeau. Amen. Amen. Et c'est le mal que nous devons combattre. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait. Il y a des gens souvent, tu vois, ils sont étonnés de comprendre qu'ils ont vécu des gens sans les connaître. Exactement. Ils ont vécu des gens sans les connaître. Mm-hmm. Ah, maman était sorcier. Maman était sorcier. Pourquoi tu es plus? Il dit, mais c'est la grâce de Dieu. Tout conflit a toujours la grâce de Dieu. Qui fait qu'il nous protège. Il nous garde. C'est la grâce de Dieu. Je finis par comprendre que même si je cherche quelqu'un, il doit chercher à le connaître. Si on veut avancer, il doit être convaincu qu'il est moi. Il me fait avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu as toute ta vie. On est ensemble pour qu'on bouge ensemble. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Tu m'as fait un pas, toi tu es derrière. J'ai fait un pas, je te chasse. On doit marcher au même rythme. C'est comme ça. On dit deux personnes se mettent ensemble. Mais bien sûr. Parce qu'ils se sont entendus. Mm-hmm. Voilà. Je ne peux pas me lever comme ça de marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi. Mm-hmm. C'est ça qui détourne les gens. Vous aimez les amitiés et ça. Nos sorcelleries, là, les gens vont en Europe là-bas. Qu'on fréquente. C'est ça. La fréquentation de nos frères noirs, ils vous gâtent toujours. Ils vont prendre ton affaire, ils vont mettre ça, donner à toute la communauté. Mm-hmm. Si vous voulez beaucoup parler, il y a Dieu. Mm-hmm. Communiquez à Dieu. Avec Dieu, il vous donnera beaucoup de choses. Mm-hmm. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va enlever beaucoup de choses sur vos vies par la grâce de Dieu. Amen. D'autres, vous avez que d'autres iront les crédits. Ok, c'est intéressant. Mais demain, à jeûne. Imagine. Vous avez déjà beaucoup mangé. Nous avons beaucoup mangé déjà, vous allez sortir à des restaurants, on va arrêter un peu de nuit. Amen. Amen. Parce que c'est du sérieux, demain on va vous consacrer. Amen. Ouais. On ne veut pas voir comme ça un prophète. Quand on le rencontre, les choses doivent changer. Amen. Le jour où Saül a rencontré, sa vie a changé. Amen. Il n'était même pas appelé à la royauté. Mm-hmm. Le gars lui a donné la royauté. Amen. Gratuitement. Et puis il a joué ça. Il n'était pas prêt à la royauté. Mais comme il a rencontré le prophète, ça se destinait à changer. Mm-hmm. Oui, quand on rencontre le prophète, les choses changent. Amen. Amen. Non seulement Seigneur a donné la royauté, et puis il a donné une orientation. Il cherchait les ânes. Uh-huh. Il a dit, dès que tu me quittes maintenant, près de sépulcre de Rachel, tu vas trouver deux personnes qui t'indiqueront le chemin à suivre. Vous savez, quand vous rencontrez un prophète, quand le prophète commence à finir de vous délivrer et vous consacrer, Dieu envoyera des rencontres. Amen. Ouais. C'est Amen. Ça. Il faut que ça soit créé dans votre vie. Amen. Les gens qui doivent vous aider doivent venir. Amen. Ceux qui doivent sortir doivent sortir de votre vie. Amen. Il y a des gens qui doivent quitter vos vies. Pour que vos vies avancent, il y a des nénés qui doivent partir. Amen. Ben, il y a des nénés, tant qu'ils seront là, Dieu va jamais te bénir. Amen. Amen. Ne recevez pas la gloire de Dieu. C'est clair. Il y a des gens qui doivent sortir et d'autres vont montrer pour faire avancer. Amen. 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 Je suis venu vous établir dans votre gloire. Amen. Oui, c'est cette conscience que Dieu m'a donnée. Amen. Parce que le diable vous a volé de votre bonne chose. Il vous a tout volé. Mais merci, c'est pillé ça. Merci l'expression pillé. Mais Dieu va vous restituer son nom de Jésus. Amen. Et vous serez rétabli dans tous vos droits spirituels. Amen. Vous allez exceller vos blés blancs. Vous allez. Parce que vous serez à la tête. Amen. Vous serez béni. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette rencontre. Et au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok. Que Dieu bénisse. On va commencer la réception.